C'est petit à petit faire comprendre à l'équipe, c'est toi le chef. L'équipe est où? Moi? C'est toi le chef. Non, non, c'est toi. Mais je peux pas être le chef puisque t'es le chef. Ouais, mais toi, t'es ton chef. Ah bon? Mais c'est toi, mon chef. Mais non, là. Ah, tu es ton chef. À toi. Hein, pour le maximum. Et ce qui va vraiment te défense, c'est mon chef. Ça, là, c'est le chef qui aime pas moi. D'accord? Faut pas leur dire comme ça, mais il faut faire le sait. Hein. T'es ton chef. Oh, les gens, putain. Alors, hein, ils comprendront pas, mais c'est pas possible. Écoute, pour moi, depuis des années, t'es mon chef, quoi. T'es la divinité dans laquelle je m'agenouille tous les matins. T'es grand, t'es beau, t'es intelligent, t'es... Je peux pas, quoi. Ben voilà, tu changes de miroir. Ah bon, ben dis donc, hein. C'est-à-dire, parfois, ils ont des questions et ils se disent, mais il y a que le chef qui peut répondre. C'est tellement dur. Je sais même pas. J'essaie même pas de la comprendre, la passe direct au chef, t'es fou. Hein? Là, c'est se retourner et lui dire, mais ta question, qu'est-ce que tu répondrais, toi? Hein? Moi, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce que je pourrais répondre? C'est pour con, ça. J'ai le droit de m'interroger sur la question? Mais oui, tu as le droit. Oh! Dans un... Il découvre qu'il peut répondre. Oh, c'est pas vrai, il peut répondre. Je vois, il répond mieux que vous, parce que lui, il sait. Il est entouré des éléments de la question. Ok, d'habitude, vous posez des questions, mais vous ne savez pas. Mais qu'est-ce qui fait chier avec ces questions? Et quand vous, ils viennent tous avec des questions, et puis vous ne savez pas vraiment, vous ne comprenez pas les questions, hein, parce que vous savez pas ce qu'il y a autour, vous répondez vite fait, et puis ils me disent, oh là là, le chef, hein? Alors que là, non. Le type dans son coin, il dit, mais c'est pas vrai, mais j'y arrive. Ah, puis, il découvre qu'il y a un cerveau, il y a un machin qui se défait à l'intérieur, qui est le cerveau, hein, il a des mains qui se mettent, oh, c'est fou. Il se met, à prendre toute sa puissance, hein. C'est sa puissance, et ça, c'est fantastique, c'est ça, le power mode. Alors, parfois, ils sont gênés, ils se disent, faut pas que le boss s'en rende compte. S'ils se rendent compte que je me suis rendu compte que je suis intelligent, je suis foutu. Hein, je suis foutu. Hein, et bien là, faut leur dire au contraire, je comprends, il n'y a aucun problème.